Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter donc Apprendre à apprendre de petit dev, tu deviendras grand, grande. Il y a 3 ans, je me suis reconvertie dans le dev. J'ai commencé à rechercher des informations sur le net, essayer de savoir les formations qui pouvaient être à ma portée, à essayer de savoir tout ce que je pouvais apprendre. Donc, j'ai commencé avec le JavaScript, mais je me perdais complètement. Ça me faisait vraiment l'effet d'une montagne. Il y avait énormément d'informations. Au fur et à mesure que je me suis lancée dans des formations, je me suis sentie souvent prise au doute. Je ne savais pas si je pouvais être capable d'aller au bout. Je ne savais pas si j'allais être capable vraiment d'apprendre, en fait, de vraiment pouvoir mettre en pratique tout ce que j'allais apprendre et de me faire une vraie expérience professionnelle. Et plusieurs fois, j'ai eu ces problèmes-là. Ça a été très très compliqué pour moi. Et bien, ce qui s'est passé, petit à petit, c'est que j'ai eu le sentiment que je progressais pas tant que ça, que je n'étais pas si efficace, que j'étais peut-être un peu lente à assimiler les choses. Et puis, aujourd'hui, je me suis mise un petit peu récemment au PHP, et là, à me renseigner un peu plus sur un sujet que j'ai oublié. Il y avait une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est apprendre à apprendre. Et avant d'apprendre quelque chose, eh bien, il convient de s'intéresser à ça. C'est important. Mais apprendre à apprendre, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, apprendre à apprendre, c'est un processus qui est plus ou moins lent, qui implique de connaître ses fonctionnements cognitifs, qui implique de connaître les opérations mentales que l'on met en place pour pouvoir le faire, mais aussi ses besoins environnementaux. Et c'est aussi avant tout une quête, un voyage en nous-mêmes. Ça nécessite un vrai travail d'introspection, de remise en cause, et aussi beaucoup d'ouverture d'esprit, d'intuition, d'imagination. Tout cela va faire partie de votre apprentissage, et oui, même dans le dev. Alors, c'est parti. Nous allons voir ensemble plusieurs points. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'on ne nous explique jamais. Le fonctionnement cognitif, comment fonctionne notre cerveau, de quoi est-ce qu'il a besoin, et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que ça fonctionne. Dans un second temps, on va voir comment se créer un environnement d'apprentissage optimal. Alors, pas forcément en termes d'environnement concret, mais en termes de bien-être mental, ici, pour ne pas aussi s'épuiser ni se décourager. Apprendre ne doit pas être une souffrance. Et enfin, des méthodes que je vais vous montrer, des petites astuces, vous allez voir, rien de formidable, j'ai rien inventé ici, mais en tout cas, des petits tips qui pourront vous aider. Alors voilà, je vais introduire par cette citation de Barbara Oakley que j'aime beaucoup, qui va mettre en valeur l'idée justement que ce qui compte ici et que je vais vous montrer tout au long de cette conférence, c'est l'idée qu'il y a une méthode à mettre en place. Et le tout, c'est de trouver votre manière de faire, votre méthode. Ce n'est pas la finalité qui compte, c'est comment vous allez gérer votre temps. Premier point, dans notre cerveau, il y a comme une immense toile d'araignée que l'on va appeler le connectome. Ce connectome, il est fait de plusieurs fils, de milliers de neurones qui sont connectés les uns avec les autres. Et c'est pour ça que l'on dit que apprendre, c'est créer des liens solides. On parle aussi de notion de plasticité mentale, parce que lorsque vous apprenez, votre cerveau, ces neurones vont se connecter d'une certaine manière. Ils vont se faire d'une certaine manière de plus ou moins profonde. Et plus ces connexions vont se faire, plus vous allez apprendre et plus vous irez loin. La deuxième chose à savoir concernant notre cerveau, eh bien, c'est qu'il a besoin d'images pour pouvoir comprendre, justement. En fait, vous êtes en mesure de comprendre ce que vous êtes capable d'imaginer. Lorsque l'on code, ce que l'on est capable d'imaginer mentalement, c'est cela qui nous fait comprendre le code et pouvoir aller encore plus loin. Pourquoi cette image avec le petit chat? Par exemple, pour pouvoir savoir un peu comment fonctionne un arrêt, on peut s'amuser à imaginer que c'est comme une immense boîte en carton ou autre chose, ce que vous voulez, peu importe, et que lorsqu'on fait une action,
soit on va faire un petit push ou un arrêt push, on va mettre des choses dedans, et là, vous pouvez vous amuser, imaginer, je ne sais pas, qu'on met un chat, et puis un autre push, c'est un autre chat, et puis ces petits chats, ils vont avoir un petit numéro d'index, 0, 1, 2, peu importe que cette image ne soit pas parfaite, tant qu'elle vous aide à comprendre le concept et à aller plus loin. Voilà pour les petites notions un peu plus biologiques. Ensuite, pour pouvoir comprendre vos besoins en termes d'apprentissage, faites surtout un travail d'introspection sur vous-même. Il va falloir essayer de comprendre vos besoins, vos envies, qu'est-ce qui vous met à l'aise, mal à l'aise, qu'est-ce qui pour vous fonctionne pour pouvoir apprendre comme vous le souhaitez. Deuxième point, votre intuition. On nous a souvent dit, non, méfiez-vous de votre intuition. Au contraire, faites-lui confiance. Votre intuition, c'est un réflexe mental. En fait, c'est ce qui vous permet d'accéder immédiatement à l'information dont vous avez besoin. C'est un vrai réflexe. Alors oui, elle peut être fausse, mais si elle est fausse, ce n'est pas grave, justement, parce que vous allez pouvoir revenir dessus pour pouvoir aller encore plus loin. Et enfin, la métacognition, donc là c'est un peu plus un grand mot, ça veut dire essayer de comprendre les processus mentaux que vous mettez en place pour pouvoir apprendre. Comme on a fait précédemment, par exemple, de comprendre que notre cerveau, il a besoin d'images, de se créer ces petites images mentales pour pouvoir fonctionner. Mais alors, que faire de ça en plus? Eh bien, en plus, je vous invite surtout à toujours garder votre esprit ouvert, à être curieux. Apprenez ce qui suscite chez vous de l'intérêt, une vraie joie, un vrai plaisir. Apprendre ne doit pas être une souffrance absolue. Et ça vous permettra de ne pas vous décourager non plus et de ne pas vous épuiser. C'est vraiment important. Faites ce qui vous plaît. Lorsque vous faites face à plusieurs informations, n'hésitez pas à procéder par découpage. Faites attention au blocage cognitif. Ne vous faites pas avoir par ça. Si jamais vous sentez que c'est beaucoup, eh bien vous découpez les petits concepts et vous lisez ce qui vous intéresse petit à petit, doucement, ce n'est pas grave de pas tout comprendre dès le départ. Et enfin, n'hésitez pas aussi à travailler votre mémoire. Sachez que apprendre, c'est beaucoup beaucoup une question de mémoire. Vous avez ce qu'on appelle, enfin nous avons tous et toutes, une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Et il y a plusieurs petits exercices mnémotechniques, etc., qui permettent de faire ce travail de mémorisation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le dev. Il y a beaucoup de petits éléments comme ça, PO, SAS, qui disent un peu directement ce qu'ils font et qui vous permettent déjà de mémoriser ce que c'est et ce que ça peut potentiellement vous aider à faire. Et vous pouvez en inventer vous-même, évidemment. Dans un second temps, une fois que vous avez bien compris comment vous fonctionnez et vos besoins cognitif, eh bien, vous allez pouvoir réfléchir à ce qui vous convient en termes d'environnement. L'environnement, c'est d'abord pouvoir se rendre disponible. Le bien-être est très très important ici. On apprend beaucoup mieux que lorsque l'on se sent disposé à le faire. Si on ne se sent pas disposé, c'est beaucoup plus difficile. Mais comme vous avez fait cet exercice d'introspection, c'est là que vous allez savoir si vous avez besoin, par exemple, d'être au calme. Si, par exemple, aussi, vous avez besoin, je ne sais pas, d'être entouré, d'apprendre avec d'autres personnes, d'apprendre à côté d'une cascade, peu importe, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Mais ensuite, deuxième chose, il va convenir d'alterner entre deux choses, la concentration, la dispersion. Ces moments de concentration, alors il est préférable de le faire dans un endroit calme, si vous pouvez, dans une pièce. Encore une fois, c'est en fonction de vos besoins, bien entendu. Si vous ne pouvez pas avoir une pièce à vous, vous pouvez avoir avec vous un casque, des boucliers, utiliser ce que vous voulez, mais pour la focalisation, le calme, c'est quand même beaucoup plus simple. Surtout, attention, nous ne sommes pas multitâches. Nous pouvons faire plusieurs choses à la fois, mais lorsque vous faites plusieurs choses en même temps, votre cerveau n'est pas totalement focalisé sur ce qu'il fait, et de fait, votre mémoire va laisser échapper beaucoup plus d'informations, et ce sera beaucoup moins efficace dans votre apprentissage. Donc faites attention à tout ce qui pourrait vous distraire, à tout ce qui est notifications, messages, petits bruits, ou des personnes qui potentiellement peuvent vous déranger. Essayez de vous faire un temps maîtrisé où vous êtes vraiment au calme, seul, avec le minimum de distraction possible. Un temps maîtrisé, peu importe, ça peut être le temps qui vous convient, ça peut être 20 minutes comme dans la méthode Pomodoro, ou plus, peu importe. Mais surtout, n'oubliez pas aussi les éléments de pause. Votre cerveau a besoin de pause.
Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez dû vivre plusieurs fois ces moments où vous avez passé des heures et des heures à essayer de résoudre un bug, et là, vous n'avez pas réussi. Vous vous arrêtez 10 minutes, ou vous revenez le lendemain, et là, d'un coup, en 2 minutes, vous le réglez. Vous dites « Eureka, j'ai passé des heures dessus, et là, bim, ça y est, ça va bien. » Eh bien, en fait, c'est parce que pendant ces moments de pause, c'est là que la connexion se fait. C'est là où les connexions entre vos neurones se construisent et que donc votre apprentissage se solidifie le plus. Donc il faut des moments où vous avalez les informations et il faut laisser des moments à votre cerveau de les construire. Et c'est pendant les pauses qu'il le fait. Donc ne culpabilisez pas de vous reposer. N'hésitez pas à faire d'autres activités. Il y a d'autres activités comme des activités sportives où il est prouvé qu'elles améliorent les capacités d'apprentissage. Donc pourquoi pas ? Et aussi sur un temps maîtrisé. Si vous avez décidé que le temps était consacré à un moment d'apprentissage, vous pouvez par exemple être sur 20 minutes de concentration, 5 minutes de pause comme dans la méthode Pomodoro, ou peu importe, vous faites les choses comme cela vous convient. Bref, dans tous les cas, apprenez, amusez-vous, et surtout essayez de ne pas vous décourager, de ne pas vous épuiser, et c'est pour cela qu'il faut faire ces choses-là, parce que ça vous permettra de tenir sur long terme et d'être tout aussi efficace. Je vais vous montrer donc quelques petites méthodes, rien de formidable. Surtout lorsque vous apprenez, restez dans une démarche active. Toujours. C'est pour cela que je vous invite, par exemple, à prendre des notes. N'hésitez pas à prendre des notes, en ciblant bien sûr que les idées essentielles. N'hésitez pas, lorsque vous ne comprenez pas un concept, de faire des recherches, de récolter des informations, de faire des liens entre ces informations. C'est très très important. Pourquoi faire des liens? Parce que notre cerveau, c'est pareil, il n'est pas fait pour catégoriser. On nous a appris à l'école toute notre vie de catégoriser absolument. Ne faites pas ça, en fait on ne fonctionne pas comme ça biologiquement. On aime faire des liens. Et vous allez voir que quand vous faites des liens entre les choses, vous les comprenez encore plus en profondeur. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans un roman d'Haruki Murakami, Profession romancier, où il prend l'exemple du film E.T. E.T., à un moment donné, il prend plein d'objets insolites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et il fait quoi avec une machine à communiquer. Eh bien, c'est un peu pareil dans l'apprentissage où quand vous apprenez des concepts, c'est le mélange de tous ces concepts ensemble qui vous permettent de comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre et d'aller encore plus loin. Et enfin, la régularité pour pouvoir vous créer des habitudes, c'est aussi important afin de ne pas lâcher, de créer une habitude et que vous le fassiez. Mais n'hésitez pas aussi à rester flexible aux besoins. Alors par exemple, la prise de notes, c'est un peu ce que j'ai expérimenté personnellement. Voilà, et encore, vous voyez, j'ai eu cette tendance un peu à catégoriser, à mettre des éléphants, etc. Vous n'êtes même pas obligé. L'avantage d'un petit Notion comme ça, par exemple, c'est que vous faites un contrôle F, vous pouvez tout de suite retrouver l'information que vous avez besoin. Mais vous voyez, j'ai juste noté comme ça ce qui me tombait sous la main, ce qui m'intéressait. Et pour ce qui est de la prise de notes, par exemple, j'ai pris la méthode qui est proposée par Barbara Oakley, qui propose de le faire en deux colonnes, avec un titre et guidée essentielle. Et encore, là, j'ai même trop écrit. En fait, une prise de notes, ça va être quelque chose de très rapide, qui vous demande très peu de temps, pas besoin que ça prenne autant de temps. Juste vous résumez les choses avec vos mots, et ça suffira largement. Et vous verrez que dans la mémoire, ça fonctionnera beaucoup mieux. Ça ira plus dans votre mémoire à long terme. Parce que le cerveau, en réalité, ne peut pas avoir plus de 5 informations en même temps. Il y a plein d'informations qu'il va laisser passer. Donc ça peut vraiment aider. Ça vous oblige à rester dans une démarche active. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a tendance, lorsqu'on va écouter un podcast, regarder une vidéo ou lire un article, de lire passivement. Mais si vous faites ainsi, vous allez oublier la très grande majorité des éléments que vous aurez lus et ce sera un petit peu dommage. Et aussi, sinon, faites des conférences, ça aide pour pouvoir apprendre à apprendre. Alors bien sûr, c'est une petite boutade, hein, ce n'est pas une obligation, c'est aussi une façon de dire que une façon d'apprendre en s'amusant, c'est aussi en partageant. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais le fait d'écrire des articles, de faire un blog, d'aller s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'essayer de se lancer des défis un petit peu comme ça, de partager ce qu'on sait, ou aussi de partir sur des choses qu'on ne sait même pas au départ et qu'on va présenter quand même, eh bien, ça peut favoriser votre apprentissage et en plus, vous allez vous amuser en même temps.
Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à vous lancer des petits défis comme ça pour aller plus loin. Et enfin, je vais terminer sur cette citation de David Bessis. Donc, le propre de la plasticité mentale, c'est de transformer l'audace en compétence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il veut dire par là que, il n'y a pas d'élitisme. En fait, il n'y a pas de disposition plus à être doué pour quelque chose qu'une autre, contrairement à ce que l'on croit majoritairement. Ce n'est pas vrai. Tout ça, en fait, comme on l'a vu là, c'est une question de méthode. À partir du moment où vous comprenez comment vous fonctionnez et que vous tirez tout ça à votre avantage, vous pouvez y arriver, n'importe qui d'entre nous. Vous savez, des grands scientifiques comme Einstein, eh bien, disaient souvent quand on louait son intelligence remarquable, bah, que lui, il trouvait que bah non, c'était pas si ouf que ça. On a même souvent disséqué un petit peu, analysé des cerveaux d'hommes très intelligents en se disant on va trouver quelque chose d'exceptionnel, et en fait, bah, on ne trouvait rien du tout. Alors est-ce que c'est pas la preuve qu'au final, bah, en fait, il n'y a pas de favoritisme biologique ou quoi que ce soit dans tout ça, ça se trouve. Peut-être que si on trouve la bonne méthode qui fonctionne avec soi, on peut apprendre tout ce qu'on veut. Donc je vous laisse la petite bibliographie de tout ce qui m'a inspiré ce talk aujourd'hui. Et je vais terminer donc par un grand merci. Merci beaucoup déjà à vous d'être là. Merci beaucoup à la FUP de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Et si vous voulez accéder au talk, alors j'espère que le lien il fonctionne, hein, n'hésitez pas, vous pouvez y accéder et comme ça vous pourrez garder le talk en mémoire si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup Aline. On a quelques minutes pour des questions si vous le souhaitez. J'arrive. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation très intéressante avec des concepts de psychologie, de pédagogie où on aurait pu ne pas s'attendre. La seule question, c'était qu'est-ce que vous faisiez avant la reconversion? Parce que je trouve que c'est intéressant de savoir. Parce que comment c'est une présentation où on pourrait penser que vous êtes psychologue ou des choses comme ça. Je me posais juste cette question. Eh bien, en fait, j'ai eu plusieurs vies avant, plusieurs identités, j'ai fait plein de métiers différents, mais tous tournés effectivement vers l'accompagnement. J'ai surtout été éducatrice, beaucoup éducatrice spécialisée, notamment dans le milieu scolaire. Effectivement, j'ai accompagné beaucoup de jeunes en grande difficulté et professeur des écoles initialement, mais je ne suis pas restée très longtemps professeur. Voilà. Bonjour, Bonjour. merci pour la conférence. J'ai fait le MOOC de Apprendre à apprendre il y a des années, donc c'est peut-être encore un peu flou, mais est-ce que tu pourrais revenir juste sur It's not about the process, but the result? Oui, Parce bien que j'ai sûr. une idée de ça et je voulais savoir quelle était la tienne. D'accord. Alors, est-ce que je vais y arriver avec la petite télécommande? Tac, tac. On y arrive. Excusez-moi. Ah, c'est bon. Oui. Voilà, oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est que bon, quand on se lance dans un apprentissage, on a un objectif final, effectivement, mais que ce qui est important, c'est pas forcément d'être tout de suite sur cet objectif final. Ça va être de se concentrer, voilà, sur petit à petit, qu'est-ce que je vais mettre en place à tel pendant tel temps, pendant telle période, pendant tel moment, pour que ça fonctionne. Et pas tout faire d'un coup, effectivement. Merci, on va stopper les questions, mais vous pouvez aller voir Aline après si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Et vous avez le droit de la réapplaudir.